Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono qui dit Ligue des Champions, dit polémique au Paris Saint-Germain, comme depuis de très longues années, toujours une histoire avant les matchs de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, et cette fois-ci, c'est encore une fois Mbappé contre Luis Enrique. La guerre est déclarée depuis l'annonce de la presse comme quoi Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Luis Enrique a décidé un petit peu de blacklister, on va dire, Mbappé. Sur le banc contre Nantes pendant tout le match, sorti à la 65e minute de jeu contre Rennes et sorti à la mi-temps contre l'AS Monaco hier. Alors, Luis Enrique, aujourd'hui, d'après l'équipe, a confirmé auprès de Kylian Mbappé lors de leur échange ce matin sa volonté de préparer la saison prochaine avec ses décisions. Il lui a dit comme ça face à face. Dans ce cadre, voir Mbappé ne pas jouer tous les matchs de Ligue 1 d'ici la fin de saison ne serait pas une immense surprise. Il compte néanmoins sur lui pour les matchs à enjeu en Ligue des Champions. Donc carrément, c'est Mbappé, Nono, qui aurait demandé à voir Enrique ce matin. Et Enrique n'a pas changé d'avis parce que c'était Monsieur Mbappé qui a demandé à parler. Alors la volonté de Luis Enrique et Kylian Mbappé lors de leur échange du jour apaisait la situation. L'échange a été jugé constructif. Des sources proches du staff, Luis Enrique ne cache pas que la gestion de Mbappé ne sera pas la même lors des prochains grands rendez-vous, notamment ce mardi en Ligue des Champions. Le choix de mettre Mbappé sur le banc s'explique aussi par la volonté de Lucho de préparer l'avenir sans lui, une chose plus facile à faire en Ligue 1 que lors des grands matchs. Donc ça voilà. Kylian Mbappé a demandé lui-même à échanger avec Luis Enrique ce samedi matin au centre d'entraînement. Voilà, l'échange a été cordial. Lucho estime que depuis le 7 février et le match contre Brest en Coupe de France, l'attaquant n'est plus au même niveau et n'est plus tout à fait le même. Moi, honnêtement, Nono, j'aime beaucoup Luis. J'aime beaucoup Luis. Et en plus de ça, Nasser Al-Khelaifi a dit en privé, courant janvier, qu'il ne ferait aucun cadeau à Kylian Mbappé. Luis Enrique a carte blanche dans sa gestion actuelle de Mbappé. Et au Paris Saint-Germain, certains affirment que le Français a déjà signé officiellement au Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono, avant ce match retour de Ligue des Champions, sachant que la Real Sociedad en a pris 3 aujourd'hui contre Séville? Ouais, mais on est le seul club en Europe qui prépare un 8e de finale de Ligue des Champions comme ça. Cette année, on est épargné par les blessures. Oh là là, Nono, on parle pas trop vite. On n'est pas du tout épargné par les blessures. Kimpembe blessé, Skriniar blessé, Marquinhos blessé, Danilo blessé. Il y a beaucoup de blessés, Nono. Asensio qui est sorti sur blessure hier, Nono. Non, 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 non. L'hécatombe de blessures, comme d'habitude, tombe au mauvais moment, Nono. Eh ben, Nono a parlé trop vite. Alors, bon, bah, écoute, blessure plus le cas Mbappé. Bon, alors le cas Mbappé, on va y revenir 2 minutes. Moi, ce qui s'est passé hier, pour moi, est impardonnable. Il a chié sur le club, n'ayons pas peur des mots. Je vais pousser un petit coup de gueule. Je sais que t'aimes pas que je parle de comme ça, mais je vais le dire quand même. Hier, j'ai écouté l'équipe du soir. Bon, bah écoute, tu te demandes si ces gens-là, le clan Mbappé ne leur verse pas des sous pour faire un bashing Enrique comme c'est pas possible. Pardon. Donc ça voudrait dire que Mbappé a le droit à tout. Tout est excusable. De s'asseoir en tribune, c'est excusable. De manquer de respect au club, c'est excusable. Quand il n'est pas bon de ne pas le sortir, c'est Enrique qui n'a pas raison. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je finis par me demander s'il ne touche pas quelques petits trucs pour, par rapport à ça. Moi, c'est incroyable. Tout lui est permis, tout lui est dû. Même Messi n'a pas eu le droit à autant de faveurs que ça. Moi, je suis complètement déboussolé, j'arrive pas à comprendre. Et tous les médias sont contre Enrique. Hein. Il n'y a personne qui va dire un petit mot pour Enrique. Donc, incompréhensible pour moi. En tout cas, moi, j'ai choisi mon clan et je suis du côté de Lucho, du côté de Enrique. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, Nono, mais même Lionel Messi a plus respecté le Paris Saint-Germain que lui. Parce que quand Monsieur Messi avait foiré en séchant l'entraînement et en partant en Arabie Saoudite, le mec a fait une vidéo, Nono, a fait une vidéo d'excuses. Tu te rappelles de ça l'année dernière? Lionel Messi, oui, hein. Oui. Lionel Messi avait fait une vidéo d'excuses. Et jamais Mbappé fera ça. Alors le mec, il a liquidé Neymar, il a liquidé Messi,
il a liquidé Verratti. Donc c'est un nettoyeur de qualité, non, on va dire, hein, pour l'institution. Et t'en as oublié, hein, c'est lui qui a fait partir Leonardo. Et Paredes aussi. Donc voilà, c'est un liquidateur de qualité. Bon, maintenant, mieux vaut tard que jamais, mais voilà. Avant d'affronter la Real Sociedad, match où Mbappé était incertain au match aller, hein, Luis Enrique avait laissé entendre que la possible absence de Mbappé le dérangeait moins que celle d'autres joueurs comme Dembélé ou Bradley Barcola, Nono. Eh bien oui, je vais t'expliquer pourquoi. Et je suis content que tu parles un peu de ballon, parce qu'il faudrait quand même, malgré tout, hier on fait un débrief, on parle que de Mbappé, on parle pas de jeu. Eh bien là, on va en parler un petit peu de jeu. Ben Barcola fait les efforts, c'est sûr, il est moins fort que Mbappé, il n'y a pas de problème. Dembélé fait les efforts, Mbappé ne fait plus aucun effort et déséquilibre l'équipe. Voilà, voilà. Et ça, j'aimerais qu'on le dise un peu. Qu'on parle un peu de ballon et voir ce qui se passe. Et en plus, il n'est plus là du tout en ce moment. Voilà. Bon, on va me dire les stats. Les stats, oui. Mais bon, mais sur le contenu de ces matchs, c'est très, très insuffisant pour soi-disant le meilleur joueur au monde. Alors, des discussions ont lieu après le coup de sifflet final entre l'entourage de Mbappé et certains dirigeants du club. Il n'est pas certain qu'elle change grand-chose à la nouvelle philosophie de Luis Enrique. Cependant, aux yeux de l'entraîneur parisien, toute cette excitation ne serait que de passage, Nono. Est-ce que tu penses que peut-être, moi j'y crois pas, hein, mais va savoir avec lui, c'est possible. Est-ce qu'on pourrait voir Mbappé sur le banc mardi soir, honnêtement? C'est possible ou pas du tout? Moi j'y crois pas. C'est possible. Moi j'y crois pas. C'est possible, j'y crois pas non plus, mais avec Enrique, c'est possible. Comme je t'ai dit, il a eu des tracas dans sa vie qui sont beaucoup plus importants que Mbappé, il joue ou il joue pas. Non. Donc voilà, maintenant je vais te dire, le problème, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut se passer que, voilà, tous aussi bien, même toi et moi compris, demain, le mec, il joue, il te met un triplé, et on est dans la merde, quoi. Bah non, hier tu nous as dit qu'il peut mettre même un quintuplé, ça changerait rien, à ton avis. Ah, mais moi, ça change rien par rapport au personnage, hein, de toute façon, mais il peut même mettre un sixtuplé, si tu veux. Bah voilà, c'est pour ça qu'on sera pas dans la merde, alors. Oui, mais quand je dis tout le monde dans la merde, pas moi personnellement. Voilà, tout le monde qui dirait pour non. La critiquer. Moi, ce qui m'énerve, Nono, un peu trop vite. Moi, ce qui m'énerve, Nono, et plusieurs footix de Madrid l'ont dit, c'est que si jamais il va au Real et que tout se passe bien, on dira encore que c'est le PSG qui est de la merde et qui ne sait pas gérer un joueur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bien sûr, le problème, il est là. Le problème, il est là, mais maintenant, c'est trop tard. Ça fait 7 ans qu'on en chie avec lui. Bon, c'est vrai, il a été monstrueux, il a marqué une tonne de buts, ça, c'est vrai, on va pas revenir là-dessus. Bon, j'ai une question, Nono, j'ai une question très claire. J'ai une question très claire. Nono, j'ai une question très claire. J'ai pas dit que c'est une question au préalable. Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc contre la Real Sociedad? Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? Est-ce qu'il faut le blacklister jusqu'à la fin de saison, vu son comportement? Est-ce qu'il faut le mettre complètement à l'écart, honnêtement? Est-ce qu'il faut le mettre à l'écart? Complètement à l'écart, je dis non. Mais lui faire cirer le banc, je dis oui. Ben c'est quoi la et différence? Comme, je vais te dire la différence. Comme un joueur normal, eh ben, t'es en difficulté, t'es mené, ben, tu le fais rentrer. Voilà, à toi de jouer, mon petit. Sauve d'où? Voilà, c'est tout. C'est tout. Faut y aller à fond. Autrement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, autrement. Ouais. Et en plus de ça, en plus, hier, t'avais dit quelque chose, mais tout le monde était omnubilé par cette histoire de Mbappé, bah avec toute cette histoire de Mbappé, bah on est passé, on va dire évidemment à côté de jeux comme la performance de Donnarumma ou passé à côté de la très bonne rentrée comme tu l'as spécifié hier de Nuno Mendes. Le match de Mendes hier, ses longues courses vers l'avant ont fait énormément de bien et malgré sa blessure, j'ai vu que Nuno il a gardé toute son explosivité et ça c'est une bonne nouvelle. Il a toutes ses jambes, hein, comme je t'ai dit hier soir, il n'est peut-être pas encore à 100%, mais j'espère qu'il va le mettre, même à 80%, il est nettement au-dessus des autres, des jambes de feu toujours. Ça, c'était pour moi, dommage sa fragilité, c'est l'une des plus belles recrues du PSG ces derniers temps. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour Enrique? Vous êtes plus le clan Enrique ou le clan Mbappé? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le PSG est en danger pour le match contre la Real Sociedad? Dites-nous en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.